Hello, Ethan. Who are you? What is going on? Calm yourself. My name is Malcolm Van Horn. I was a great friend of your father's. Yes, I remember you a long time ago, but why are you here now? Last night? Well, I was nearby. An unfortunate scene. You did your best, but it could not be helped. The detectives? They're dead. Shot with your weapon. And you will be blamed for their deaths. Ridiculous. I'll just tell them... What? Tell them the truth? They have already decided the truth. This is insane. I can't just give up the Bureau. It's already been taken from you. Now join me and help yourself. Open up, it's the police. Damn. Take your bag and head across to the metro station. I will meet you later. Agent Thomas, you know you're in there. Open up now. Ethan, you must trust me. I am here to help. Now go! Eh bien salut à tous, c'est Barof et bienvenue pour un nouvel épisode de cette nouvelle série Condemned. J'espère que le jeu vous plaît, j'espère que vous avez apprécié le précédent épisode. Alors là déjà on va pas pouvoir passer. Alors petit résumé, on enquêtait sur un tueur en série, on était sur une scène de crime, on s'est aperçu que le tueur était dans les lieux. On lui a couru après, sauf que lui il nous a assommé et a pris notre arme de service et a tué nos collègues. Le problème, c'est qu'un peu plus tard, il nous a projeté du haut de l'immeuble. On a atterri sur une voiture, hein, et on se réveille, voilà, chez nous, dans notre appart. Et il y a quelqu'un qui veut nous dire, écoute, c'est toi qu'ils accusent. Donc, vite, prends la fuite, va dans le métro, et ben, on va faire ça. Allez, donc on a une pelle, c'est pas mal aussi. On peut, donc je vous rappelle, hein, les contrôles tag, coup de pied, et le coup de pelle, voilà. Bon petit coup de pelle en travers les dents, ça fait toujours du bien. Donc on va retrouver ce personnage là. Comment il s'appelle? Ah juste, on n'a pas son nom, juste je me rappelle plus, Van Thorn ou un truc comme ça là. Ah, on doit le retrouver dans le métro. On va faire un tour par là, juste par curiosité. Non, il n'y a rien à récupérer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on repart avec notre vie à plein. Parce que je vous rappelle qu'on était vraiment mal, hein, lorsqu'en plus on était quoi, la moitié de leur midlife à peu près, ouais c'est ça. Et on a fini par en tombant 3 étages, donc autant vous dire que la fin de l'épisode précédent n'était pas très simple. Donc on a pu distinguer aussi dans la petite séquence de la cinématique à l'introduction de cet épisode le tueur habillé en orange, hein, à travers une des fenêtres, hein, d'en face. Alors qu'est-ce qu'on a là? Hop là, les flèches nous indiquent ce qu'on doit faire. Et maintenant je peux faire un zoom. Ou alors faut dézoomer peut-être plutôt. Ah voilà. Ah, me dis pas de zoomer s'il faut dézoomer, je te jure. Receiving image data. You're a lucky man, Thomas. I'm still here. Thank God. I thought they would have suspended my lab access. They still might. It hasn't occurred to them yet. I didn't kill those guys. I know, Thomas. Well, I'm not certain what I do or don't know, but I'm pretty sure I still trust you. And that goes a long way. Understood. So, what about the photos? Well, no standing on ceremony then. In the metro station? It appears so. I'm also seeing smudges across the face of the photo. Locate a good sample and transmit it to me. Ah, d'accord, on va inspecter. Donc on va inspecter quoi? Ça encore une des photos? Non, c'est pas ça, alors, attendez. C'est pas ici, il faut que je sois, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on cherche?
Là, il faut une baramine, d'accord. La baramine, ça doit être... Je sais pas si c'est ça pour... Ah, le grillage, peut-être. Non. Bah, vert vif, t'es bien gentil, mais... Où est-ce que je trouve ça? Et si je prends... est-ce que c'est quoi ça? C'est une barre de renfort, c'est pas une baramine. Ah, ou alors dans la poubelle? Peut-être. Ah là, oh là là. Ouais, on recommence. Ah, c'est un petit peu casse-pied, hein, ce système. Hein. J'avoue que parfois, c'est un petit peu compliqué. Enfin, compliqué, non, mais... Et c'est pas toujours évident. Voilà, c'est... So wait, these photos were processed here, somewhere within the station. That would be my guess. D'accord, donc il va falloir trouver notre ami. Ah. Où êtes-vous les gars? Là-bas. J'ai toujours mon... Oh, merde, je l'ai toujours. Zut, dommage. Ah zut, j'ai... Ah, j'ai encore loupé mon finish move. Baramine, c'est ça qu'il me fallait. Ça tombe bien. Donc on va ouvrir ça avec la baramine. J'ai encore loupé mon... hop, ma parade, je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi hein, qui appuie mal sur la gâchette. Parce que oui, je vous ai pas expliqué. Gâchette droite pour parer, gâchette gauche pour taper. R3 pour donner le coup de pied. La lampe, c'est B. Je crois que si, on l'avait vu ça. Si, si, je suis bête, il y avait eu un didacticiel dans l'épisode précédent. Voilà, je monte là, bien. Voilà. J'ai eu dans le temps. Ah, bon. Alors ça, ça arrive. Attendez, attends. Les mecs, ils se tapent entre eux. Ça arrive, hein, vraiment. Vous verrez, ça arrivera plus d'une fois. Et c'est souvent pratique. Parfois, les gars, ils sont de deux clans différents, par exemple. Hein. Tout simplement, et... Bon alors. T'es où? Voilà. Bon, on regarde notre barre de renfort, vitesse. Ouais. L'appel, est-ce qu'elle est toujours là en fait? Parce que j'ai largué l'appel pour ouvrir le. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Est-ce qu'elle est mieux l'appel? Ah non, finalement elle est moins bien que la baramine. Bon, on va garder ça. Enfin, le pied. Ouais, j'appelle ça. Oui, une baramine. Oui. Ok. Petite trousse de secours, ça aurait été sympa d'en trouver une. Alors j'ai pensé que peut-être je vous ferai des épisodes plus courts, autour d'une vingtaine de minutes je pense, et je vous en proposerai finalement plus souvent. Ça c'est quoi? Il n'y a rien à faire, d'accord. J'essaierai de vous proposer plus de contenu régulièrement, plutôt que ce que j'avais fait pour Call of. Ouais, si, on va prendre ça là. J'ai combien de cartouches? Ouah, 3. Non, on va rester sur la baramine. Avec 3 cartouches, on fait rien, hein, franchement. Ouais, on fait rien. Non, on reste sur la baramine. Alors, faire tout le jeu sans utiliser un flingue, en tout cas, pas avec les cartouches, hein, mais on... Toi, je t'ai pété la gueule déjà. Ça déclenche un succès. Ça, on peut pas l'ouvrir, d'accord. Donc il faut qu'on trouve un endroit où sont développées les photos dans la station. On a vu tout ce qu'il y avait à voir ici, ouais, je pense. Allez. Ah, vous entendez? On va fermer, est-ce que c'est derrière? Non. C'est là. D'accord. Ouais, sauf que en fait... non, c'est pas là qu'il faut aller. Il faut qu'on trouve par où passer. Là, on peut passer ou pas? Non. Par là. Ah, une porte là ici. Voilà. On va la laisser ouverte. Hein. Aucun escalier. On va le prendre après. Je vais juste faire le tour des lieux vite fait. Donc encore une fois, au niveau des collectifs, bah, on ne fera pas, on tentera pas le 100%. Qu'est-ce qu'on a vitesse marée, non?
Ok. Bon, à moins de trouver une hache, je pense qu'on restera avec la barre à mine pour l'instant. Là, ça s'ouvre. Là aussi. Ou pas d'ailleurs. Ça s'ouvre aussi. Ouais. Je pense qu'on va arriver des deux côtés. On va arriver au même endroit par les deux côtés. Ouais, je suppose. C'est ça? Ouais. Alors ici. Je fouille, en fait, c'est vraiment pour trouver de la pharmacie, en gros. Ça, je pense pas qu'on puisse le casser. Voilà, les sécurites. Oui. This is Thomas. It's Van Horn. Listen and be quiet. Van Horn, voilà. But I am innocent. I know that. You must prove that. One more thing. You have a special talent, a gift that very few of us have. We haven't time to discuss this fully, but trust your instincts. Rely on them. I must go now. Remain alert. Bon, on a un don, nous dit-il. Mais quel est ce don? On peut ouvrir ici, ouais. On va faire un tour là-dedans, voir si ça nous mène dans le bureau qui est derrière. Ouais, je pense que oui. Est-ce qu'on peut péter les cartons, là? Non, on ne peut pas les casser. Les cartons, ils sont en béton. Ah, voilà. Hop. Très bien. On s'est soigné. Oh, que t'es beau. Même comme ça, t'es vilain, toi. Bon, tu viens me chercher. Bah, attends, je te récupère, là. Alors, tu viens ou pas? Youhou. Ah merde! Ah bah c'était bien la peine que je me soigne. Finish move, allez renfoncer. Voilà. Ah bah malin, bon bah j'ai plus qu'à y retourner. Ah je me suis un peu brêlé avec le... Hop là, voilà. Je me suis un petit peu brêlé avec le... le taser. Hein. Bon, je pense que clairement c'est un jeu destiné clavier-souris. Hein. Là je joue à la manette évidemment puisqu'on est sur Xbox 360 et ça ne simplifie pas les choses. Alors ça on peut ouvrir, ouais, on va aller par là. Bureau, salle de repos plutôt, ouais, plutôt de salle de repos, ouais. Là. Rien. Donc on peut y accéder par deux endroits, d'accord. Ça, encore des escaliers. Là, ok, bureau combien? 209. Alors on va faire le tour, voir si on peut voir trouver autre chose à là-dedans peut-être. Bah oui mais non. Ça en est plein. Donc c'est bien de le savoir. Il y a de la pharmacie là-dedans. Et le bureau 209, est-ce qu'on peut y accéder? Le 10 ici, le 9 là. Non. Ah, et le 9 là-bas, pareil. On a de la pharmacie. Le 10, on peut pas. Ok, bon bah écoutez, on continue sur le... De l'autre côté, on va prendre les escaliers de l'autre côté de la salle de repos. Qui était... Non, qui était par là. Voilà, c'est ça. Hop là. Je vais baisser un peu le rythme parce que j'ai bouffé beaucoup d'endurance. Alors, bon, on va commencer par là, c'est quoi? Manager. Hop là. Rien de spécial? Non. Allez, on continue. Là. Non plus. Hop. Il y a du bon. Où est-ce qu'il est, lui? J'aurais tendance à dire par ici. Il m'a semblé l'entendre par là, mais... Ouh! Ah, il est là, je t'avais pas vu, mon père. Voilà. Ça, ça vaut le coup. Combien de cartouches? 2. Ouais, donc voilà, valait mieux. Prendre le fusil de chasse. Et après, à l'issue, on peut encore s'en servir comme un bâton, en gros. Donc c'est pas mal, c'est pas mal.
On est vachement plus sécurisé quand on a ce genre de fusil. Mais voilà, face à ce genre d'individu. Merde, oui c'est bon, je l'ai eu. Mais il est pas mort encore. Ah, finish ou pas finish? Non, allez, voilà. Ok, allez, on prend le code 45 à la place. Il nous a mis combien? Ah, 0. Ah, bon, on prend le fusil de chasse, on va rechercher notre... notre pied de biche qui est dans la cuisine. Voilà, il est bien, hop là. Est-ce qu'on soigne? Oh non, on va soigner. Alors, par où on peut aller? Par là-bas. 209, d'accord, on va arriver sur le bureau 209, ok. Là, bah du coup, non, rien. Donc, de toute façon, bureau 209, ouais, vous vous rappelez, on avait vu. Oh là, on avait vu. On a vu quelque chose passer. Oh, une masse. On va être prudent quand même. Oh là, il y en a eu là aussi. Ouais, plus de dégâts. Allez, on la prend. On la prend, on la prend. Par contre, sûrement plus. On peut déverrouiller, voilà, et l'ouvrir de l'intérieur, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt, parce que. 200... Dans... Après, il y avait le bureau 210 auquel on, est... on pouvait éventuellement. Qu'on pouvait parcourir, mais. Il n'y a rien, d'accord. Hop là. On peut rien faire de plus. Si là non, on peut pas bouger le bureau. Non, et là. Ah oui, bon ça c'est pour un petit collectif, d'accord. Une pièce métallique. Bon, nous on arrive de. On arrive de là nous. Ouais. Bon bah écoutez, on va emprunter la porte qu'on a déverrouillée, hein. Je vois que ça à faire. Lounge. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus du coup? Oh, oh, oh. Ah merde, je me loupe à chaque fois. Voilà. Je me loupe à chaque fois avec ce fichu taser. Je vais, bon, il va falloir que je reprenne l'habitude, hein, ça va revenir, ça va revenir. Ah d'accord, c'est peut-être par ici qu'il faut aller du coup. 210, est-ce que c'est ouvert? Ah voilà, il fallait utiliser la masse. Voilà. Oh l'enfoiré. Voilà. Peut-être l'avoir les deux en même temps, voilà. Je suis en train d'apprendre une misère. Attendez, on se barre, on se barre, on se barre. Et l'autre, il y en a un autre, hein. Bah il est où l'autre? Ah je l'ai eu, c'est là-dessus là, d'accord. Ok, waouh waouh waouh, compliqué hein. Compliqué. C'est pour ça que jouer en... c'est un bras de mannequin évidemment. C'est pour ça que jouer en mode facile, c'était pas du luxe hein, pour pouvoir avancer facilement dans le jeu. Je vous l'avais dit, le jeu est pas forcément toujours simple. J'aimerais bien trouver un peu de life. Non. Ici, je n'ai rien trouvé, d'accord. Donc, on va continuer par là. Voilà. Allez, on descend. Après, faut reprendre ses marques. Hein. C'est, ça revient petit à petit. Hein. Même l'utilisation du taser, tout ça, hein. ça va se faire. Hein. Mais non. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir ça? On peut pas. D'accord. Bon, bah, plus qu'à continuer par ici. Hop là, on ouvre. Là, rien. De... Ah ouais. Il faut la barre à mine évidemment que j'ai plus. On va pas remonter la chercher hein. Ah, Thomas speaking. Ethan, it's Van Horn. Qu'est-ce qu'il a nous dire? How do you know this number anyway? I know many things about you, Ethan. Since your father's death, I've watched you
hoping that you would find your potential. My potential? Yes. You've become an excellent investigator. Not through training or luck, but instinctually. However, you'll find that you are capable of seeing so much more. Again with the instincts. They're a gift from... well, perhaps not from God. Remember, they can help you and others. Again, I must go. Be careful. D'accord, donc il nous reparle de notre don, hein, qu'on n'a pas encore utilisé. Ou alors est-ce que c'est simplement notre instinct, hein, ce que lui appelle un don, et nous plutôt un instinct, finalement. Allez savoir. Alors là, on se retrouve où ? Ouh, il y a du monde, a priori. Allez, on passe en dessous. Et on va inspecter la pièce. Voilà, il y a lui qui arrive. Le problème c'est quoi? Alors on va se le faire lui, on va se débarrasser de lui pour... Hop, on lui bat tout de suite, on lui met un coup de masse en travers la tronche. Voilà. Est-ce que c'est le seul? Ouais, a priori. Alors je vais faire vite fait le tour de la pièce, voir s'il n'y a pas un petit truc qui traîne pour se soigner. Non, a priori non. Hein. Bon. Non. Alors. Maintenant il faut suivre. Ah, il y a du monde là-haut. Je pense qu'il faut aller par là, effectivement. Voilà, on est sur la bonne direction. C'est tout ce qu'il fallait faire. D'accord, c'était juste pour ça. Ok, bon. Là-bas. Là-bas ou là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? On tente là. On va bien voir hein, si c'est fermé. C'est fermé, donc c'est forcément là-bas. Encore un. Ah, viens là, viens là, viens là. On va se le faire. Voilà. Frappez ce coup-ci. Oh, je suis pas sûr d'avoir vu une vraie différence avec le finish move de tout à l'heure, mais enfin bon. Allez, là, rien. Ici non plus on peut pas ouvrir. Bon ben on continue. Hein. Mais vous savez quoi? Eh ben on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et on reprendra ben, nos recherches hein, de ce fameux labo photo dans le prochain épisode. Voilà. Bon ben j'espère que ça vous a plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.